Ben, en fait, c'est plus... C'est qu'on a tellement de choix dans la vie, on a tellement une liberté immense de faire ce qu'on veut. C'est... Il faut s'organiser, puis il faut se trouver qu'est-ce qu'on veut, c'est parce que sinon on perd tellement de temps à chercher. Puis moi, la musique, c'est que c'est ça qui me passionnait tellement, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'aller plus dans plus approfondi dans la musique. J'ai commencé à être DJ, j'ai décidé de faire partir du projet, partir de plusieurs projets. Je fais partie du projet musique avec le Carrefour Jeunesse en place. Je fais partie aussi du projet Passeur de rêve, que je suis là. Puis c'est un très très bon projet, les deux. Puis je pense que si je serais un artiste, ben, je serais capable de me débrouiller. Je m'appelle Jean-Sébastien, je suis à l'école Vanier, secondaire 3. Qu'est-ce que j'aime dans la vie, c'est tout ce qui se rapporte à la musique. Moi personnellement, je suis DJ. J'aime la musique, j'aime tout ce qui est or. Dans le fond, ça, sonorisation, c'est faut checker les sons, les basses, les trebles, les aigus. Puis dans le fond, c'est ce que Sylvain y fait. Parce que on est en arrière-scène sur un spectacle. Il y a tous les micros sur la scène. Même les instruments sont branchés à une console, comme ça. Puis ça passe par là pour aller aux caisses de son. Puis par là, ben, c'est tout modifié, c'est tout arrangé pour que le public, le son, quand ça ressort, puis que le public entende ça, ça soit tout parfait. Puis c'est pour ça que je participe à beaucoup de projets sur la persévérance scolaire, parce que j'ai souvent des idées de tout lâcher, parce que des fois, c'est vraiment, vraiment tough, surtout avec mon français. Qu'est-ce qui m'a motivé, c'est que... Premièrement, c'est que moi, quand j'arrivais de l'école, j'étais tout le temps sur mon ordi en train de faire des mix. Puis là, à force d'être avec des projets de musique, ben, j'ai pu calmer mon envie de créativité, puis plus avoir plus de temps sur mes devoirs. Comme ça, avec les projets Passeurs d'oreilles, projet musique, Carrefour Jeunesse Emploi, ben, je peux en même temps faire ma passion en même temps que mes études. Ce qui me permet de, équilibrer tout. Puis en même temps, aider mes notes. Mes maths, ils ont augmenté de 10%. Je suis plus présent à l'école parce que les matins, j'étais souvent en retard. C'est ça. Puis en plus, je m'amuse à chaque fois que je viens. Je parle. On écoute des tunes. J'écoute des shows. Plein d'affaires. Je dirais merci pour tout ce qu'il me donne aujourd'hui, pour toutes les activités. Je dois dire que c'est un super beau travail que tu fais, sincèrement, lâche pas. Merci. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Je m'appelle Sylvain Demers, je suis directeur technique ici au Centre d'art de la Chapelle. Mais mon métier, je l'adore. J'ai rencontré Sébastien, on m'a appelé, on m'a demandé si je voulais être mentor pour un jeune garçon du secondaire et tout ça qui était intéressé par mon métier. Puis j'ai dit oui tout de suite. Puis la première rencontre avec Jean-Sébastien, ça s'est super bien passé. On a connecté tout de suite, on a fait la visite des lieux, on a parlé tout de suite du monde du spectacle, de la musique. On s'est rendu compte vite qu'il était plus intéressé par le côté DJ que sonorisateur, mais c'est un métier que je connais bien, que j'ai déjà fait quand j'avais son âge aussi. Ça m'a apporté autant à moi que ça peut peut-être y en apporter à lui. Je sais pas comment que ça peut y apporter à lui. Je peux pas faire ses devoirs à sa place, puis je peux pas aller à l'école à sa place. Je peux pas me lever le matin pour lui non plus. Mais j'espère qu'il va continuer sur sa lancée qu'il a là, de se lever tous les matins, d'étudier. Moi, humainement, je trouve ça le fun de pouvoir donner puis transmettre ma passion à quelqu'un. Moi, je fais ce métier-là par passion. C'est le meilleur métier au monde pour rencontrer des gens, faire des rencontres. Le public, les artistes. Thank you.